Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre été se passe à merveille et que vous avez eu de bonnes nouvelles pour tous ceux qui ont passé récemment des examens. En tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve avec plaisir pour vous faire une petite vidéo sur le Gjallarhorn et sur sa présence ou non prochainement dans l'inventaire de Xur. Donc je vous arrête tout de suite, je ne pourrai pas vous donner de date précise. En revanche, pour clore enfin ce long et éternel débat, je peux vous affirmer que le Gjallarhorn est toujours bel et bien présent dans l'inventaire de Xur, ce qui signifie qu'il refera tôt ou tard surface. Alors comment j'ai eu cette information? Tout simplement sur le site officiel de Bungie, bungie.net, et lorsque vous vous rendez dans l'armurerie, dans cet onglet précisément, vous allez pouvoir choisir les armes générales avec le filtre rareté exotique qui va tout simplement vous afficher les 28 armes exotiques du jeu. Donc on voit par exemple l'arc des parjures et la vex. Pourquoi j'attire votre attention sur ces deux armes en particulier? Tout simplement parce que lorsque vous allez dans source, vous allez pouvoir sélectionner un marchand. On va prendre évidemment notre ami Xur et vous allez voir que dans toute la liste de son inventaire, la vex et l'arc des parjures ont disparu. Donc il y a bien une page, elles ne sont plus du tout présentes. On voit en revanche qu'il y a 21 armes proposées à la vente, c'est pas tout à fait exact, en vérité il y en a 16, mais je vois qu'ils ont ajouté les 5 armes des contrats exotiques, donc c'est probablement parce que certains d'entre eux demandent à ce qu'on passe par Xur pour les réaliser, et ça explique pourquoi les contrats exotiques se retrouvent dans son inventaire. La bonne nouvelle, c'est qu'il est là, on le voit bel et bien, notre Gjallarhorn, il est donc toujours bel et bien présent dans son inventaire, et ça c'est une très très bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas la chance de le posséder. Et oui, il y a encore quelques malheureux sur Destiny. Donc ne désespérez pas pour tous ceux qui n'ont pas le Gjalla. Il est toujours proposé à la vente. Il suffit donc d'être patient si vous n'avez pas de chance côté loot dans le jeu. Xur vous le reproposera à la vente probablement prochainement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous faites partie de ceux qui pensaient que le Gjallarhorn ne serait plus jamais proposé et si cette vidéo vous en a convaincu du contraire. N'hésitez pas également à me raconter un petit peu vos résultats, si vous avez passé les examens, si tout s'est bien passé pour vous. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde !